de nouveaux avions de chasse, des hélicoptères, des radars et des avions de transport de troupes pour le Mali. Le président de la transition vient de remettre les clés de ses aéronefs au chef d'état-major de l'armée de l'air. Au nombre d'une douzaine, ces équipements ont été acquis grâce au partenariat Mali-Russie. Le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Camara, rappelle à cette occasion que la vision du président de la transition est de refonder une armée malienne professionnelle et bien équipée. Nous l'écoutons au micro de Sila Bakil. La vision du président de la transition pour la défense et la sécurité du Mali a été traduite en directives très claires pour les forces armées maliennes. Il s'agit d'abord de se battre pour gagner les guerres imposées à la nation malienne et ensuite de créer les conditions pour une paix durable et juste avec toutes les filles et tous les fils de ce pays. Pour cela, nous avons comme objectif de refonder une armée malienne professionnelle, bien équipée, bien entraînée, dotée d'un bon moral, proche du peuple dont elle est issue, et dominant l'espace des opérations dans le respect des règles et coutumes adéquates et suivant des règles d'engagement strictes. Cette armée doit refléter les valeurs guerrières du Mali-Bas, la diversité, l'unité et la cohésion de la nation. Respectant cette volonté et connaissant parfaitement les réalités de ce beau pays, vous avez tenu à mettre l'armée dans les meilleures dispositions. Vous avez transformé sa stratégie, son état d'esprit, sa posture tactique. Malgré les succès déjà engagés, qui prouvent à suffisance le bien fondé de votre stratégie, vous avez décidé de ne jamais relâcher l'effort. Je dois dire que la cérémonie de ce jour est historique, tant par la nature, la qualité que par le volume de ce que vous nous remettez, dont nous n'exposerons ici qu'une partie, le reste étant bien sûr engagé en opération au moment où se tient cette cérémonie. Le parking sur lequel nous nous trouvons serait d'ailleurs trop étroit pour recevoir l'ensemble du matériel récemment acquis. Grâce au leadership de son Excellence, le colonel Assimi Goïta, et au partenariat gagnant-gagnant avec la Fédération de Russie. Les équipements présents offrent un échantillon des capacités qui font de l'armée de l'air malienne un outil complet de combat. Nous consolidons notre capacité de reconnaissance et d'attaque avec des avions de chasse de type L-39 et Sukhoi 25 qui s'ajoutent au Super Tucano et d'autres appareils déjà en dotation, ainsi que les hélicoptères d'attaque de type MI-24P qui s'ajoutent au MI-35 et au MI-24 déjà livrés. Voilà le reportage complet dans nos éditions du soir.